c'est le même partout. Cette femme avec son fils, une agression complètement gratuite. Les disparus, l'enlèvement de Céline Simon, Fayol, aucun meuble nulle part. Il est retourné à la Javid pour piquer des plaques, à Verrier pour voler une voiture. Il est complètement inconscient. Vous comprenez quelque chose? Il y a peut-être une planque par là. Ça sert à rien de raisonner comme ça, faut arrêter. Il est fou. On approche les faits par étapes, c'est-à-dire qu'effectivement, d'abord, il y a des faits. Moi, j'ai trouvé les faits particulièrement saisissants parce qu'ils étaient insolites, mais aussi dans le pire sens du terme, c'est-à-dire incompréhensibles, totalement illogiques ou d'une logique très difficile à une logique qui apparaît peu à peu, c'est-à-dire une logique très, très personnelle à la personnalité de Souko. Et puis, c'est vrai qu'à force de travailler sur les faits, d'approcher une certaine vision du personnage, finalement, je me suis rendu compte que c'était plus le portrait de la folie que le portrait d'un meurtrier, que le meurtre, finalement, est malheureusement une chose relativement banale, et que c'est vrai que là, on est face à un cas de folie noire, de folie profonde, qui était particulièrement vertigineux. Mais le souci que nous avions vraiment en commun avec Cédric, puisqu'on s'est connus avant que ce soit décidé vraiment, c'était de ne pas transformer le véritable Roberto Souko en héros de fiction. Mais tout à l'heure, il y a eu le mot de serial killer qui a été prononcé, et je crois qu'il n'est pas du tout approprié, parce qu'il n'y a pas de préméditation dans les crimes qui ont été perpétrés par Roberto Souko, et c'est la grande différence avec un serial killer. Mais je crois que c'était aussi l'ambiguïté de Roberto Souko, c'est en ça qu'il était intéressant. On a aussi dans les témoignages, notamment des deux femmes qui ont été prises en otage par lui, l'idée qu'il y avait aussi une certaine forme de séduction, qui pouvait être aussi touchant, enfin bon, une humanité qui transparaissait. Et donc le film joue de cette ambiguïté, mais comme lui. Mais c'est vrai que le cinéma est un outil dangereux, parce que le cinéma peut faire aimer n'importe qui et n'importe quoi, mais disons que voilà, ce risque est contrôlé dans le film. Il existe, le film peut donner le sentiment par moment de vouloir s'identifier, de vouloir que le spectateur s'identifie à Souko, mais je crois que ce risque est contenu, et que voilà, qu'on est ne serait-ce que par la description très brutale et clinique des meurtres, on est rappelé à la réalité sans cesse, et je pense que c'est par ce biais-là que le film empêche un principe d'identification totale. Je rentre chez les gens pour manger, pour prendre des douches, pour faire l'amour avec les femmes de la maison. Ma femme aussi est terroriste. Je pense que s'il n'y avait pas eu cette histoire d'amour, je ne sais même pas si je me serais plongé dans cette histoire, parce que pour moi, c'est le contrepoint nécessaire à tout ce qui se passe. Cette histoire a énormément d'influence sur son comportement. C'est-à-dire que ça cavale ses actes très, très violents sur la côte, et ça cavale en Suisse correspondent à la rupture avec elle. Et sa montée sur les toits de la prison correspond au fait qu'il veut absolument lui parler et qu'il a compris que c'était grâce à elle qu'il avait été identifié. Donc en fait, même si ce ne sont pas les faits, et qu'elle est très à côté des faits, en fait, on se rend compte qu'il y a une corrélation permanente entre cette histoire d'amour et les faits. Le problème, c'est les gens qui ont été touchés par ce fait divers. Le problème n'est pas ce que le public pense, ou c'est pas un problème de société, c'est vraiment un problème privé pour les personnes concernées. Mais nous, encore une fois, on pense que le film a été fait vraiment dans le respect de ces gens-là. Il y a une chose dont on n'a pas parlé du tout, là, qui est quand même très très importante, c'est qu'il a commencé par tuer ses parents et tuer sa mère et son père. Donc on n'a pas affaire non plus à une folie très commune. Et donc, après ce double parricide, il avait déjà été expertisé. Écoutez, c'est le mystère de la psychose. Ça, franchement, tout le monde a conclu qu'il était psychotique, qu'il était malade mental, mais... Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de plus? Schizophrène, voilà. La police.